Laurent, responsable informatique de Luma depuis 3 ans d'entreprise. Alors, les technologies sont assez variées. On a du réseau local, on a du MAN. Toute notre infrastructure est distribuée à travers la ville pour rejoindre tous les établissements et les lier ensemble sur tous les services qu'on va pouvoir proposer, tant à l'hôtellerie que au monde de l'art et des expositions. Différents volets dans notre infrastructure, toute une partie data center qu'on administre nous-mêmes. On est monté en mode campus sur le site des ateliers entre la tour en construction et un autre local qui nous permet d'avoir un maintien en condition opérationnelle à 99,99%. Technologie utilisée essentiellement, la virtualisation, tous les outils qui vont derrière, du Vim Backup, la répartition de ressources allouées à la demande pour essayer d'obtenir le label Green Energy auquel nous travaillons actuellement. Donc, il y a un environnement assez diversifié avec essentiellement de la virtualisation pour tout ce qui est utilisation des ressources, compute, et une allocation à la demande pour respecter nos engagements par rapport au label Green Data Center. Donc les challenges sont multiples. Il y a d'un côté le service qu'on doit délivrer à l'hôtellerie et à la restauration, et d'un autre côté tous les moyens qu'on doit mettre à disposition pour les artistes ou pour permettre l'installation des différentes expos. Ensuite, on a besoin extrêmement de polyvalence pour pouvoir répondre très rapidement et de toutes les façons possibles à toutes les demandes qui nous viennent tant d'un côté que de l'autre. Donc pour un informaticien qui rejoindrait nos équipes IT, qui arrive avec sa spécialité, aurait rapidement affaire à de nouvelles technologies, de nouveaux projets qui ne sont pas forcément de son expérience, mais qui lui permettraient de continuer à progresser sur tous les domaines de l'informatique.